Hey, yo les dealers, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'ouverture de booster l'assaut des profondeurs, le booster de la deuxième extension de Speed Duel. Je ne crois pas que j'ai ouvert de booster Speed Duel, pas sur la chaîne, j'en ai ouvert à titre perso, j'ai même chopé une sphère Kuribush, je vous en ai parlé sur les réseaux sociaux, mais je n'avais pas encore ouvert sur la chaîne. J'ai pas acheté du display l'assaut des profondeurs parce que il y a pas spécifiquement de cartes qui m'intéressent. Moi, ce qui m'aurait beaucoup intéressé, c'est de compléter mon deck Toon ou de voir d'autres decks qui me plaisent. Il y a quand même une carte qui m'intéresse, c'est pour ça que j'en ai acheté que 10 et d'essayer de voir si je peux la choper ou pas. Ça va être l'oiseau supersonique parce que j'aimerais bien me faire un deck renoncé. Je sais pas vous, mais moi le Speed Duel me hype de plus en plus. J'aime beaucoup ce format, je l'aimais déjà beaucoup via tout simplement Duel Links, mais là c'est encore mieux. Voilà, c'est des duels IRL. Depuis le tournoi Speed Duel Invité National 2019 auquel j'étais invité, je vous mets le lien de la vidéo juste en haut, je sais jamais quel côté, je crois que c'est celui-là, je vous invite à aller voir le récap de ce qu'il en est. Depuis ce tournoi là, voilà, j'adore vraiment ce format là. J'essaye de regarder un petit peu toutes les decklists, de comprendre un petit peu la méta, parce qu'il y a certaines cartes qui du coup sont vieilles vu que c'est beaucoup de cartes rétro, et des cartes qui sont assez récentes également, de mélanger tout ça, de voir ce qu'on peut faire. On peut faire des trucs assez sympas. Donc voilà, j'en ai pris 10, des petits boosters à ouvrir, on va voir ce qu'on peut faire. Il y a quand même des cartes qui cotent pas mal, et puis ben voilà, j'ai pas grand chose à vous dire, c'est parti, on passe sur la deuxième caméra. Donc on a 10 boosters, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tiens, il y en a 11, on va le mettre de côté, hein. Puis on en reparlera à la prochaine vidéo pour le watch time, tout ça, tu connais, la YouTube money. Bref, si cette vidéo me rapporte 1$, je serai déjà le roi du pétrole. Bon, on va y s'ouvrir ces 10 petits boosters là. Donc voilà, l'objectif, il n'y a pas d'objectif particulier à l'ouverture. Ce qui serait cool, en vérité, ça peut être très très cool cette skill card. Ça serait de faire tomber tout simplement un oiseau supersonique. Il y a la skill card de Mako qui est assez cool également. On verra ce que ça donne. Alors, exorcisme des rituels, Axe Rider en commune, zombie de Robin et profondeur mythique. Premier booster, première super, donc c'est un Yumi hein, tout simplement. Mais c'est quand même plutôt cool. Tac. Alors je sais pas, je ne crois pas qu'il y a de la rareté obligatoire dans les boosters hein, comme pour la première extension. Donc ça veut dire qu'on commence assez fort cette vidéo. Alors, exécution d'un contrat, canard supersonique, récupération de fusion, ça c'est grave cool, franchement c'est grave cool pour des decks comme Dragon Météore Noir, bah, c'est super puissant. Et Barbotine. Alors, l'elfe mystique, pour bien bourriner, hein, avec un monstre à 2000 de défense, c'est quand même pas trop mal. Résident des profondeurs, déferlante et vaguelette, et barbotine à nouveau. Ok. On a eu de la chance sur le premier booster, peut-être que c'était la chance du débutant et que c'est la fin, mais encore une fois, voilà, j'ai vraiment acheté ces boosters-là pour le fun, et j'attends rien en particulier. Master Maudit, alors c'est lequel, celui-là? C'est... si moi j'ai rien, hein. Ok, pas attaquer. C'est pas mal, ça coûte cher, 500 quand même partout, mais ça coûte cher. Alors je m'excuse, juste toute petite parenthèse, on entend peut-être du bruit en arrière-plan, encore une fois c'est les chatons, là j'entends qu'ils sont en train de faire leur litière. Voilà, ils font du bruit, je m'en excuse, je peux pas tourner ailleurs les vidéos et je vais pas enlever les chatons de cette pièce-là parce que je fais une vidéo, donc bah, vous risquez de tourner un petit peu de bruit et puis c'est tout. Tsunami, barrière arcane et résident des profondeurs. Alors je sais que tout le monde a déjà ouvert ces cartes-là. Tout le monde. Je crois même que Ankara et Yubel en ont ouvert, je dirais, 4 ou 5, voire plus. Dites-moi les potos dans les commentaires si vous voyez cette vidéo. Combien vous en avez ouvert exactement? Vous êtes des tarés. Très honnêtement, vous êtes des tarés. Destructeur du Grand Bleu, Zombie Gobelin, Apprenti Amazonès et Prise d'un jour. Stylé! Stylé, deuxième super, deuxième carte de Mako, plutôt cool. Pas d'ultra pour l'instant, bon, tant pis. Barbotine, on en a un playset du coup, exorcisme des rituels, canard supersonique et zombie de Robin. Du coup, c'est une vidéo qui est assez rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes dans les boosters, c'est cool, je trouvais ça sympa de... Voilà, je vous l'avais teasé un petit peu sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. En fait, je partage beaucoup de choses sur Instagram que je partage pas forcément sur les autres réseaux. Je poste une photo par jour. Donc, bah, mine de rien, ça me permet de partager bah, ma collection, mes achats, mes coups de cœur, les petits trucs cool. Puis mes vidéos, mais exactement, également. Canard supersonique, Axe Raider, paré à l'interception et bateau Yomi. Alors ça, c'est stylé parce que c'est un insecte mangeur d'hommes, hein, clairement. Cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière. Détruisez le monstre qui a détruit cette carte.
Troisième super. 10 boosters, troisième super. Il nous reste 3 boosters à ouvrir. Si on pouvait topper une ultra, bah écoutez, je dirais pas non. Voilà, je dirais pas non, mais bon, on verra. Apprenti Amazoness. Je déteste ces cartes-là, les Amazoness. Exécution d'un contrat. Et je dis pas ça parce que j'ai perdu hein, à cause de ça, mais un petit peu quand même. Axe Raider, plutôt cool. Et Zombie de Robin. Allez, avant-dernier booster. Je sais pas si j'en ai ouvert un seul comme il faut, donc on va essayer de faire attention. Tac. Épée noire, de la noire destruction, pardon. Puissance de Keishin. Oh, stylé. Et destructeur du grand bleu. Et le dernier booster de cette édition, Speed Duel. On n'aurait eu aucune carte qu'on voulait, mais c'est pas très très grave. Encore une fois, je vous ai dit, j'attendais rien de particulier. Grand blanc, bête éternité, grand voleur fantôme et Yumi. Voilà, là du coup, on peut comparer. Ce sont les mêmes cartes, sauf que ça, c'est une skill card. Donc du coup, on aurait eu beaucoup de communes. Tiens, on va faire un récap des communes un petit peu pour voir ce qu'on a eu. Tac. Alors, grand blanc, bête éternité. Je vais m'arrêter sur les cartes qui me parlent. Hein. Axe Raider qui est sympa. Canard supersonique, Axe Raider. Canard supersonique. Zombie de Robin. Ça peut être sympa pour le deck zombie, mine de rien. Zombie gobelin, ça aussi, c'est très très fort. Elfe mystique, qui est toujours cool. Toujours bon à prendre, elfe mystique. Un canard supersonique. Récupération de fusion, ça aussi, c'est assez cool. Axe Raider et zombie. Alors, du coup, si je me plante pas, 1, 2, 3, playset de Axe Raider. 1, 2, 3, playset de Canard Supersonic. Et je sais pas si on a un playset de Zombie de Robin, qui est une carte assez sympa. On a un playset de Zombie de Robin. Voilà, c'est plutôt cool. Et du coup, pour la rareté, on a eu Bateau de Yomi, Prise du Jour et Profondeur Mythique. Je vous mettrai la valeur de ces trois cartes qui s'affichent juste ici. Je sais pas du tout, j'en ai eu pour 20 balles les 11 boosters. Je sais pas du tout si j'ai rentabilisé ou pas mon achat. J'ai pas regardé la cote des cartes, tout simplement. Je pense pas, mais voilà, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. En tout cas, vous aurez l'info sur l'écran. Pour le dernier booster, comme promis, il est juste ici. Et bien voilà, il est pour vous. Comme d'habitude, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de concours. Donc pour participer, tu t'abonnes, tu laisses un commentaire dans la vidéo en disant que tu participes et tu aimes la vidéo. Voilà, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Encore une fois, le tirage au sort, je l'indiquerai en description de quand est-ce que ça sera terminé, hein, enfin, toutes les conditions de participation en description. Je mettrai également le gagnant une fois que le concours sera terminé en description et je commenterai ton commentaire si c'est toi qui gagne pour te dire que tu as gagné. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à participer pour gagner ce petit booster là. Si ça se trouve, c'est le booster qui contenait une ultra. Je sais pas, en tout cas si c'est vous qui avez gagné, ça me fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Voilà, c'est toujours votre soutien qui me fait extrêmement plaisir. Je l'ai pas dit dans cette vidéo, mais on a passé les 1600 abonnés et ça me fait extrêmement plaisir. C'est toujours très très cool de voir que vous êtes autant à suivre mon travail et ma passion pour Yu-Gi-Oh! Prenez soin de vous, faites un nombre de duels et collection de cartes, et surtout à bientôt. Allez, ciao!